Voilà où on va passer nos prochains jours. C'est ça, un manoir. C'est mort, je reste pas ici. C'est cool que ta mère ait accepté qu'on passe le week-end ici. D'ailleurs, c'est à vous le manoir? C'est pas un manoir, c'est une maison familiale. Elle est dans la famille depuis plusieurs générations et le dernier en date, c'était mon grand-père, le plus grand chasseur de la région. J'espère que les animaux qu'il a tués ne rentrent pas à la maison. Mais c'est vrai, vous imaginez, ils se vengent sur nous? Ils peuvent revenir du monde des morts. Les âmes hantent sûrement ce lieu depuis toujours. C'est bon, Agathe, il va rien se passer. On va juste passer un week-end tous les quatre. Allez, viens. Ah, t'es méchant! Arrêtez de vous moquer, c'est hyper sérieux, faut pas prendre ça à la légère. Les âmes des animaux arrivent, faut tous se planquer. Non, mais sinon, il y a une manière simple de savoir. Vous voulez pas de réponse? Mais t'es folle! Après, les âmes des animaux vont vraiment arriver, en fait. Non, mais je suis sérieuse. T'es vraiment prête à prendre ce risque? Il nous faut des réponses. Mais pourquoi tu dis rien? Ça va? Ouais. Vous voulez vraiment jouer à ça? Oui, non. Je sais pas. Ça va être marrant, il va rien se passer. Je trouve pas ça marrant. Je trouve plutôt ça inconscient. Vous refoulez de la pizza? Non, c'est bon, merci. Me laisse pas seule. Mais t'es sérieuse? Pourquoi t'as fait ça? Non, mais sérieux, arrêtez vos conneries. Je vous aurais prévenu s'il y a un mort. T'as peur de quoi? Des cadavres d'animaux? Je vous l'avais dit. Super, maintenant vous avez enlevé vos mains. Faudra pas s'étonner si les esprits rappliquent. Non mais sérieux, regarde, t'as ruiné le week-end, ça devait pas se passer comme ça! Tu trouves pas que Mathieu nous cache des choses en ce moment? Bah non. Il est très pudique sur sa vie privée, mais tous les Anglais sont comme ça. Mais d'où tu t'y connais, toi, en anglais? J'ai passé un mois dans une famille en Angleterre, et leur fils m'avait dit que les Anglais n'aimaient pas trop divulguer leur vie privée, et que si un jour j'étais avec un Anglais, fallait que je fasse attention à ça, pour pas le mettre mal à l'aise. Ah ouais, le gars avait prévu que tu te taperais un anglais. Sinon, votre couple, ça va? Ce serait plus judicieux de te poser la question, non? Ben, c'est vrai qu'en ce moment, Agathe s'éloigne de plus en plus. Comme si elle voulait rompre. Du coup, ça tombe bien qu'on fasse ce week-end. C'est mignon. D'ailleurs, ils sont où? Matt! Agathe! Mathieu! Il s'est passé quelque chose? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va, Célie? Et Matt, il est où? Mais t'étais où? Pourquoi t'étais si longue? Je suis juste partie aux toilettes, en fait. Et Mathieu, il est où? T'imagines, c'est la première victime des animaux morts? Non, n'importe quoi. Bon, Mathieu, c'est plus drôle, là. Faut que tu te montres. J'ai loupé quelque chose? Ah! Mais t'étais passé où? Attention, il ne s'agit peut-être que de son âme. Très drôle. Ça va, Chamallow? Oui, mais t'étais passé où? J'étais juste parti à la cave. Chercher des glaces. C'est tout. Mais oui, mais il faut prévenir, moi je sais pas. Tu veux une glace à la vanille? Comme t'aimes. Merci. Y'a quoi dans la cave? Je parie que c'est là où sont superposés tous les cadavres de ton grand-père. Sinon, Mathieu, je peux avoir une glace? Et toi, Agathe, tu veux une glace? Non, merci. Je surveille ma ligne. Et toi aussi, Mathieu, je te surveille. Tu veux venir dans la cave? Comme ça, tu auras raté tes propres yeux. Ok. Mais tu me tues pas. Bah, fais attention, hein. Dans ma cave, j'ai des tournevis. Voilà. Attention! Il fait un mouvement. Agathe, s'il te plaît. Tout est filmé. Tu me tues, ça le saura. Agathe, calme-toi, s'il te plaît. Il va tous nous tuer, tu verras.
Reste là. Sarah a disparu! Quoi? Agathe, regarde! Non! Reste là. Je filme. Sarah, réponds-moi! C'est toi qui l'as tué? Mais non! C'est impossible! Il était face à toi. Bon, écoute. On va remonter et se poser, ok? Sarah! C'est à cause de ton jeu stupide, là! Laisse-moi tourner! Toi aussi, t'es dans le coup? Moi? T'as aidé ton chat malois à tuer Sarah! Non mais sérieusement, c'est plutôt toi que j'accuse! Quoi? Pourquoi j'aurais tué ma copine? Parce que tu voulais rompre? Donc c'était plus facile pour toi de la tuer que de lui annoncer? Mais tu racontes n'importe quoi! Non mais... tu t'éloignes de plus en plus d'elle comme si tu voulais rompre. Nina, tu sais pourquoi je m'éloignais d'elle? Je te l'ai dit, t'es ma meilleure amie! Quoi? Ces derniers temps, je prenais mes distances pour ne pas dire par erreur l'énorme surprise qu'on lui prépare pour son anniversaire. T'es pas dans la confidence, moi. Non, en effet, t'as tendance à dire assez facilement les secrets, en fait. Y a un truc qui est passé, là. Y'a un truc qui est passé derrière toi. Quoi? Non, mais laisse tomber, une chose dans cette blague. Non, là, je blague pas, là. Là, il blague pas, là. Mais punaise, je vous l'avais dit! Il faut partir, Rémi! Toi! Elle est où, Agathe? Je vais la chercher. Seule chambre de la maison. On sent en sécurité. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Est-ce que Agathe et Sarah sont mortes? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison, à part nous? Je sais pas, je comprends rien. Je sais pas si... Je sais pas si Agathe est en vie, je sais encore moins pour Sarah. Je comprends pas, je contrôle rien. Je contrôle plus rien. J'espère que tu me caches rien. Tu sais que je t'aime. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Et j'espère que c'est réciproque. Nina, je t'aime. Je t'ai jamais trompé. Je t'ai jamais rien caché. Je suis juste pas très bavard, mais... Regarde la vidéo, on comprendra mieux. On n'est pas tout seul dans cette putain de maison! C'est qui? Je sais pas qui c'est, je comprends pas. C'est quoi ce bordel? Mathieu, tu me caches des choses. Je te cache rien. Pas moins fort. Elle va t'entendre. Qui elle? Je sais pas. Alors c'est qui cette Alice? Je connais pas de Alice. Bravo. C'était juste un test. Mais qu'est-ce que vient foutre un test de fidélité dans cette situation?
On vit nos derniers instants. Léna, je t'aime. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et je t'en remercierai jamais assez d'être venu voir ce petit anglais un peu timide, pas très bavard, maigrichon, follement amoureux. Je t'aime, Léna. Bah, faut que je tue quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours aimé le baseball. Moins que la chasse. Non mais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, Léna, je crois plus en la mort qu'en l'amour. Mais non, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît.